Voilà, soyez salués. Nous sommes là, nous allons parler. Donc, je tourne la caméra pour moi. Voilà, vas-y. Voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. So, ladies and gentlemen, so we're calling on your attention because you have a very strong and important message to. Votre attention, s'il vous plaît. So we have a very important message to convey to the ICC today, because as the world is boiling, as the violation of human rights is being perpetrated all over the continent, there's no time for us to sit back and watch the killings of innocent people around the world. So as we've seen that the prosecutor of the ICC has decided to prosecute a very strong leader of the world, Mr. Vladimir Putin, if the prosecutor has the power to prosecute Mr. Putin, then we believe that he has the power to prosecute the warmongers that are threatening the lives of innocent people in Africa. So this is what it's all about. D'accord. Mon traducteur là, j'ai dit, à votre attention s'il vous plaît. Mais votre attention là, traducteur a donné pour lui déjà. C'est important. Alors, effectivement, nous sommes ici. Nous sommes venus devant la CPI pour réclamer les criminels, ceux qui ont tué en Côte d'Ivoire. Il y a eu un génocide dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. So we are standing right here today to demand justice and also to demand prosecution of the perpetrators of crimes in the Ivory Coast. Et donc, il faut à un moment donné que les victimes, les parents des victimes, puissent faire leur deuil. So, at some point, we believe that a lot of years are gone already. So it's time for the victims and the parents of the victims to know what has happened to their loved ones. C'est pour cela que nous demandons à Karim Khan de faire appel à Alassane Dramane Ouattara et ses comzones, afin qu'ils viennent répondre dans cette justice internationale. That's the reason why we're standing here and talking straight to Mr. Karim Khan, because the shortest distance between two points is straight line. So we're standing here watching this meeting and talking to Mr. Karim Khan, that it's time for him to call the warmongers, those who have committed indescribable crimes in the Ivory Coast, to come and respond for the crimes that they have committed on our soil. Nous réclamons Alassane Dramane Ouattara parce que le président Laurent Gbagbo a été acquitté dans ce tribunal-là. So, Mr. Alassane Ouattara has to come to the ICC to respond for what is committed as crime in the Ivory Coast, because the person that was allegedly accused as the perpetrator of the crimes has been acquitted. But the fact is, thousands of innocent people have lost their lives, and we don't believe that they have committed suicide. Exactly, somebody has been the cause of their death. Si le président Laurent Gbagbo n'est pas coupable, n'est pas responsable des 3000 morts et plus, qui donc est responsable? C'est pour cela que nous disons que Alassane Dramane Ouattara, actuel chef de l'État de Côte d'Ivoire, vient de répondre à la CPI. Parce que le président Laurent Gbagbo a été libéré ici. Et nous comptons sur cette CPI-là, enfin, de poser la question à Alassane Dramane Ouattara, qui vient de répondre ici. So, Mr. Karim Khan, we have a simple question for you. If Mr. Laurent Gbagbo has been acquitted in the case of the Ivory Coast for the war that happened in the aftermath
of the elections. So then who has committed the crimes? So it's time for you to call Mr. Alassane Dramane Ouattara to come to the ICC to respond for his participation in the crimes that have been committed in the Ivory Coast. Vous voyez les mamans qui sont assises là. Elles ont perdu leurs parents. Le responsable, elles ont envie de savoir qui est le responsable. As you can see, our mothers sitting out here, our fathers, our uncles, our brothers have lost their loved ones. They really need to understand the circumstances of the deaths. And surely we want to know who has committed and committed those crimes. Sans justice, sans la justice, nos parents ne pourront pas faire leur deuil. So, if justice is not served, how can we easily bear the burden of the loss of our parents? Alors, nous demandons, ou du moins, nous exigeons que les criminels qui sont aujourd'hui installés au pouvoir en Côte d'Ivoire viennent répondre ici. Et nous insistons dessus. So, Mr. Karim Khan, as you sitting down in your comfortable office, we are telling you there's no time for you to wait and pretend that you don't know anything about what happens in the Ivory Coast. It's for you to call on Mr. Alassane Dramane Ouattara and his warlords to come and respond in the case of the Ivory Coast. Ils nous ont dit qu'ils menaient des enquêtes en Côte d'Ivoire. So, Mr. Karim Khan, the prosecutor that was here before you, what was his name? Karim. Fatou Bensouda. Ah. She said they were investigating on the case of the Ivory Coast. So I think the investigation has been taking so long time. And the time is too long that it seems to us that this is a denial of justice. Ce que vous devez savoir, c'est que dans cette justice-là, on a déposé des dossiers sur les crimes commis en Côte d'Ivoire. So we are reminding you that the crimes that have been committed in Ivory Coast are well documented, and we have already filed a case. And if you look good in your closet, you can see that our documents are still there. Please, sir, don't waste any time. It's time to open up the case, and the world will see what has really happened in Ivory Coast. Tant que les vrais criminels ne sont pas ici, tant que as long as les vrais criminels ne sont pas ici, the real criminals who committed the crimes in Ivory Coast, on sera toujours là. We will always be here. On va perturber vos sommeils. We will always be here to derange. On va déranger votre travail. We'll be here to perturbate your afin que vous puissiez appeler so that you call on les vrais coupables, the real people who committed the crimes. Merci. Thank you. Éclairé, j'ai vu sortir un pandipier, un lâche, un vaurien, un perdant, un coagulé, excusez-moi les Mao, excusez-moi les Chao, qui s'appelle Hervé Djedjé, qui sort, qui dit comme ça que ils sont à la haie, ils sont partis pour porter plainte contre Papa Ado. Ouais, les criminels doivent venir. Oui, ils ont tout dit, ils ont tout réfléchi, ils ont tout apprêté. Et on a tout mis. Mais ce que je veux dire à ce dernier, c'est pour rien. Hervé Djedjé, toi là, la vie de Maïli Ba ici, là, t'as détruit. Vous avez plagué les mamans ici. Allez faire Cocho Rouge à Paris. Dis jamais vu au monde. Vous l'avez fait. On a vu. Ça, on a noté. Et vous avez anarché les pauvres vieilles dames, les pauvres gens ici. Et beaucoup ne vont pas écouter ton appel là, il n'y a personne qui va écouter parce que la fin du film là, tout le monde a vu, mais toi, Hervé Didier, tu as oublié. C'est parce que maintenant, tout ce que vous avez manipulé, ils vont plus à la haie. Et les Mao, excusez-moi, les Chao, excusez-moi, mais attends, je vais me parler comme ça. Tu es coagulé,
parce que tu as détruit la vie de Maïliba. Elle est morte. Pour ce que vous vous battez là, ils n'ont pas fait face. C'est Papa Addo, le président de Côte d'Ivoire, le papa de tous les Ivoiriens, qui a fait face à ces problèmes. L'a envoyé au pays. Vous étiez où? Elle est partie. Tu as profité. Tu as menti. Parce que tu es lâche. Tu es un fourrier. À des voyages même là. Tu es le dernier de Côte d'Ivoire. Toi, est-ce que tu te vois? Est-ce que tu t'entends? C'est pas parce que maintenant, où les Ivoiriens ont vu clair, c'est que vous êtes venus manipuler. La majorité ont vu clair. Toi, tu vas venir lancer appel parce que tu es coagulé, tu n'as plus d'enfant, personne ne t'écoute. Et tu ne vas pas voir quelqu'un là-bas. Les Ivoiriens ont vu la vérité. C'est que vous avez manipulé là. La majorité là, ils ont vu la vérité. Ils ont vu que le pays est géré. Et Papa Adora, il n'est pas contre un Ivoirien. Seulement, vous les avez manipulés. Salir l'image du pays, salir l'image de la Côte d'Ivoire, c'est ce que vous avez fait. Mais vous êtes dévoilé. C'est pourquoi vous n'êtes rien. À la haie, tu as vu, tu as menti. Tu as dit, voilà le policier qui a arrêté. Le policier, il vous connaît parce que vous partez là-bas toujours. Ouais, tu es en train de le filmer. À la fin, là, tu as menti. Le policier t'a posé la question. Tu es en train de le filmer. Tu as dit non. Ça veut dire que tu es désavoué devant tout le monde. Tu n'es rien et tu ne vaux rien. Mais toi, là, tu vas faire pitié, plus pitié que Bob Lee. Faut pas te presser. C'est pas toi qui veux détruire ton pays. Même tes parents, tu ne passes pas à eux. À plus fort raison que quelqu'un d'autre. Mais la Côte d'Ivoire avance. Hein. Malgré que tu es en train de bavarder, il y a Thiès Kassi, François Kenzi et Gadi Sili là. Ils sont rentrés. Tu peux dire quoi? Tu peux dire quoi? C'est plein que tu peux poser. Il faut continuer dans le couteau là. Mais les Ivoiriens vous ont vomi. Et on ne fait rien avec vous. Pour le moment, je vais m'arrêter là d'abord. Laissez la place à les Mao. Je vais répondre, je reviens Hervé Tchétché. Bande de chiens que tu es. Toi là, tu es le plus nul des Ivoiriens sur le réseau. À cause des étoiles. Tu n'as rien. Tu es perdant, tu es souffrant. Et ça se voit sur tes visages. Donc là, je m'arrête là. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao. Et je me mets sur mille. Je suis à le coup. Etera, j'aimerais emboîter le pas. Il n'y a pas de problème. Cyclone. Il n'y a pas de problème. Oui. En fait, le test, on le lira demain. OK. Mais je vais emboîter le pas à Cyclone pour dire à cette dame-là qui s'appelle, je crois, Kei Vao, qu'elle ne se presse pas. Qu'elle ne se presse pas. Puisque les ouais dont elle parle, elle, les ouais qu'elle connaît, n'ont pas changé. Puisque ces ouais-là, dont elle parle, seront encore des chairs à canon, mais qu'elle attende qu'on les explose encore et que avant d'aller à la CPI pour aller se plaindre contre le Prado, puisque c'est le Prado qui fait sortir ces ouais là de chez eux. N'importe quoi. Allez écouter. Moi je vous dis mon fils, je prends tout le monde à témoin. Vous savez, il y a eu une distribution de rôle, en fait, de la part de l'opposition. Quand je parle d'opposition ici, je parle du PPACI et du PDCI. Alors, ce que je disais en train de se profiler à l'horizon, ça se voit de mieux en mieux. En fait, ils se sont distribués de rôle pour, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, pour désinguer le Prado. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu venant d'eux? Qu'est-ce que ça peut aujourd'hui nous faire, nous autres? Qu'est-ce que ça peut faire au Prado? On parle de politique. Eux, ils parlent. Nous sommes dans le fond. Eux, ils sont dans la forme. On n'est pas pareil. On vous demande votre feuille de route. Qu'est-ce que vous proposez au peuple? Vous ne pouvez pas. Vous allez vous ridiculiser. Cette dame, quand je l'ai vue, franchement, je l'ai prise en pitié avec les quelques personnes qui l'avaient accompagnée. Et je me dis, mais qu'est-ce qui arrive au ouais? Enfin, à ce ouais-là. Parce que j'ai un grand respect pour une dame, comment elle s'appelle, la dame qui était à la construction, là, que je respecte beaucoup. Elle est le ouais du cavalier, mais les ouais qui écoutent Mme Kei Vao, franchement, ce sont des ouais. Ils ont dépassé le ouais même, ils sont devenus des ouais, quoi. C'est pas possible. Je laisse la parole aux autres. Ok. J'aimerais d'abord
Avant de laisser la parole à Meïté Tefeu, j'aimerais d'abord vous rassurer, chère mère, n'ayez point de crainte. Voyez-vous, tout s'explique dans une certaine façon. Ce que vous dites est totalement vrai. Comme vous l'avez dit, il faut être dans le fond pour comprendre cela. Mais voyez-vous, ce que ça va choquer, excusez-moi, mais les Gores sont des abonnés au libertinage sexuel. Et imaginez-vous que depuis que Laurent Gbagbo est rentré, il n'arrive plus à organiser des séances pour aller faire des orgies. Et or, Hervé Djédié est un habitué des orgies. Et donc, c'est ce qu'ils partaient faire. C'est eux-mêmes qui le disent, que toutes les rencontres qu'ils faisaient, c'était des séances pour aller se partager des expériences sexuelles. Et il est en train de faire réactiver cette sale méthode. C'est tout l'objectif que lui veut atteindre. Et puis, se faire quelques billets de banque, c'est tout. Maintenant, quel est le fond du problème? Vous avez bien expliqué. Qui a distribué les armes au Wer pour tuer pendant plusieurs années dans l'Ouest ivoirien? Et vous pensez que vous les Wer, quand on parle des Wer, on parle des guérés, et puis les guérés, et puis comment on appelle? Wobé. Les guérés et puis les Wobé, c'est ce mot-là que je cherchais. Ce que vous avez fait là, vous connaissez. Ce que les Banans ont fait, vous connaissez. On a déjà fait plusieurs émissions. Vous savez ce que vous avez fait aux autres. Donc, ce qu'on vous a fait là, on vous a rendu votre monnaie. Mais on vous a rendu ça en petites pièces. Mais la prochaine fois là, vous n'avez pas dit, vous voulez génocide. La prochaine fois là, on va vous faire ça propre. Vrai génocide, avec vrai corps. Et puis bien fait. Là, comme ça là, vous allez avoir preuve pour aller présenter à la CPI. Sinon là, le sous-préfet de la France là, ne peut pas se retrouver devant les tribunaux français. Si vous n'avez pas compris ce que je suis en train de vous dire là, tant que Ouattara est le chouchou des Occidentaux là, de la même manière que George Bush n'a pas été transmis à la CPI là, Poutine ne sera pas transmis à la CPI. Aucun président français ne sera pas transmis à la CPI. Et donc Alassane Ouattara ne sera pas transmis à la CPI. Ce que vous oubliez, il faut qu'on vous dise certaines vérités. La CPI, là, avant d'agir, là, elle tient toujours compte d'un facteur qui est essentiel. Pour que la CPI prenne votre accusation, la CPI n'est pas un bureau d'enregistrement des plaintes et des complaintes. C'est une institution mondiale qui ne prend l'effectivité de son rôle qu'en se basant sur ce que les États ont décidé. Même si la CPI a des comptes à rendre à la Côte d'Ivoire, elle va directement s'adresser à la Côte d'Ivoire. Des bouviers comme vous, des ordures de l'existence humaine ne peuvent pas se lever pour aller devant la CPI et estimer que comme on est déjà là, on vient poser plainte. Ça sera une première. Peut-être que nous sommes dans un monde où on assiste à l'inversion des rôles. Ce serait vraiment une première qu'on voit des individus qui sont allés se plaindre, on a enregistré leur plainte. Ce serait la première fois. Et là, nous sommes très heureux de pouvoir assister à un tel état de fait. Quand on voit des gens qui se comportent comme des jouettes vénales et des quads, des avatars du Satan, des scandales humains comme vous, des fossoyeurs, des croque-morts sanguinaires, vous causez le mal aux autres et par manipulation, vous voulez jouer les victimes. Vous les voyez là, vous n'êtes aucunement victime de qui que ce soit. Vous êtes victime de votre propre turpitude. Ça, je vous le dis, je vous le répéterai en face. Le mal que vous avez fait en tuant les autres Ivoiriens là, il était totalement normal que la loi de l'Atlantique s'applique sur vous. Ils n'ont fait que rendre leur coup. C'est parce que Ouattara est gentil. Sinon, on aurait fait ça propre pour vous remettre. Des adeptes de la prostitution politique que vous êtes. Des barbares esbrouffeurs que vous êtes. Voilà des personnes encore qui se comportent comme des chèvres. Des grosses coquilles vides qui s'élèvent et qui vont se trémousser. Des envoyés du diable, des espèces du vieux bavard chapardeur de Laurent Gbagbo que vous êtes. Mais encore, je vous promets, votre Laurent Gbagbo là, vous avez entendu Ouattara hier, non? Il va se retrouver encore en prison. Comme vous ne voulez pas qu'on vous dise ça là, moi je vais vous dire ça en face. Voilà des bandes de philistins, des pharisiens, des criminels incorrigibles que vous êtes, des inconscients qui veulent distraire le monde entier, des disciples du mensonge que vous êtes, des manipulateurs, des populistes, des gens qui n'ont aucune honte, des gangsters que vous êtes, des malfaiteurs, vous êtes des vauriens. Sinon, en France, là, les gens qui travaillent n'ont pas ce temps-là, des scélérats que vous êtes.
comment des dégénérés mentaux comme vous peuvent se lever. On va aller poser plainte contre Ouattara. On a tué les Ouais. Vous pensez que la vie d'un Ouais, là, ça vaut mieux? Allez à quartier Carrefour. Les chaînés que vous avez pendant longtemps, là, eux aussi, ce n'est pas des hommes. N'importe quoi. Des hommes minables que vous êtes, des sans-valeur. Des gens remplis de laideur morale que vous êtes. Des esprits impurs. Des impies, des mécréants. Avec des fonds vides. Aucune spiritualité en vous. Les élèves de Laurent Gbagbo que vous êtes là. Mais on va enlever ça dans votre corps. Hervé Djedje, c'est que tu as commencé là. Toi, le symbole de la bouffonnerie, de la médiocrité morale sur les réseaux sociaux là. On va enlever ça dans ta sauvagerie de vaurien patenté là. Homme vulgaire, préhistorique, on va enlever ça dans ton corps. Individu abonné aux bases astrales que tu sois. Adorateur du diable. Mais on est là. La malédiction qui est dans ton corps et puis tu te bouges partout là. Tu as pris l'argent pour jouer le rôle là, non? Mais il faut t'apprêter. Mais tu vas très mal sentir ça dans ton corps. Un individu poubelle comme ça, va demander à la soeur de Maliba. Tu as escroqué une pauvre vieille dame, tu l'as ruinée jusqu'à sa mort. Un individu en putréfaction comme toi, tu viens t'arrêter. Vous avez attaqué Ouattara, non? Moi, j'ai dit, c'est ça mon terminus. Des espèces nues comme vous et votre maître, des vers de terre ambulants, des sans-valeur. Vous pensez que votre vanité avec votre méchanceté de cœur là, les habitants de l'enfer que vous êtes, des personnages maléfiques et vénineuses. On est là, on vous attend. On vous attend. On va bien jouer ça avec vous. La première fois là, ça n'a rien été. Hein. N'allez même pas chercher. Deuxième fois là, c'est là que vous allez avoir vrai charnier là. On va faire ça propre pour vous remettre. Voilà des collecteurs de l'aumône de l'enfer. Votre même Bagoué, il allait monter à la CPI là-bas, non? Voilà de grosses gueules à l'envers. Si vous pouvez changer le monde là, mais le monde se porterait mal des sorciers, des gardiens des tombeaux que vous êtes. Avec ça, tu prends ton gros crâne qui ressemble à un dieu païen, les fétiches des Ouais là, pour aller s'arrêter là-bas. On va diligenter quelque chose comme Ouattara, travesti que tu es facochère. Mais tu vas nous trouver ici, vieux bouffon. Tu as commencé, non? Mais tu vas aller jusqu'au pouf. Pourriture morale que tu sois. Espèce de frustré que vous êtes. C'est là après maintenant, ils viennent dire que les gens aiment insulter. Alors qu'on n'insulte jamais pour rien. On n'insulte jamais pour rien. Quand tu insultes, toi-même, il faut te demander ben, pourquoi m'a insulté. Donc ce que vous avez tué là, et ce n'est pas des hommes. Hein. Pendant 10 ans, nous on a fait seulement une demi-journée. C'est ça qui vous fait mal. Les Ouais là, ça vous, je parle. Vous avez fait 10 ans. Nous on a fait seulement une demi-journée. Vous criez déjà. Attendez, hein. On ne regrette pas. Si c'était à refaire, on referait. Et puis, c'est demi-journée qu'on a fait. Donc là, il reste encore 9 ans et avec les quelques poussières. Donc, demi-journée qu'on a fait là. Si c'est ça qui est génocide là, c'est que vous n'avez rien vu encore. Quand on va faire un jour là, vous allez avoir le génocide que vous cherchez. C'est Laurent Gbagbo, je l'ai dit la dernière fois. Quand Laurent Gbagbo est parti en France, là, il a distribué l'argent à certains. C'est vous. On vous connaît. Je l'avais dit. Et on s'attendait à vous. Mais on va enlever ça dans vos corps. Bande de chiens errants sans dents que vous êtes. Et effectivement, c'est que Hervé Djedje et sa bande sont en train de faire croire à leurs partisans. Il faudrait qu'on clarifie les choses. Parce que moi, je ne parle pas pour parler. Quand je parle, là, je dis, j'assume et puis j'ai même ma dignité en face. On fait comment pour poser plainte à la CPI? Hervé Djedje, je vais t'expliquer. Là, tu vas aller poser plainte contre Ouattara. Pour poser plainte à la CPI, là, il faut aller sur le site de la CPI. Tu demandes quels sont les modes de saisine de la CPI. Français simple, comment on fait pour poser plainte à la CPI? Je t'explique quand même avec l'explication. La Cour pénale internationale peut être saisie suivant différentes procédures. On dit, pour aller à la CPI pour poser plainte contre Ouattara, là, on dit il y a plusieurs manières de faire. La première manière, là, elle peut être saisie par un État signataire du traité de Rome. Actuellement, là, la Côte d'Ivoire est signataire du traité de Rome. Donc, ce que vous devez faire là, faites coup d'État, enlevez Ouattara et puis vous l'attachez Guantanamo et puis vous le mettez dans l'avion, sans chemise. Bagou même là, lui, on lui a mis chemise, non? Mais quand vous allez prendre Ouattara là, vous ne mettez même pas chemise, vous l'attachez en coup de coude et puis vous l'expédiez. Donc là, première condition, il faut d'abord que vous réussissez votre coup d'État. Or, le président dit, on va couper vos cœurs. Donc, je ne crois pas que ça va marcher. On laisse ça. Deuxième possibilité, la CPI peut être saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU. Or, vous ne représentez rien
Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez même pas approcher l'ONU. L'ONU ne reconnaît que les représentants légaux du pays. Et les représentants légaux de la Côte d'Ivoire en 2023, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et en 2021, moi-même j'étais là-bas avec un grand de ces pays-là. Tellement les gens le respectent. Son nom là, ça ouvre les portes de l'ONU à New York ici. La personne se connaît. Madame Blanc aussi connaît la personne. Donc là, ça revient toujours au premier cas. Vous ne connaissez personne. Donc vous n'aurez pas d'entrée. Or, celui que vous voulez amener à la CPI là, vous aurez tout le mal pour convaincre l'ONU. Donc ça ne passera pas. Même à travers vos amis maliens, ça ne passera pas. Donc, ça aussi, c'est impossible. Mais il y a une troisième méthode. C'est ce qui est intéressant avec Dieu. Il y a toujours une troisième méthode. Allons voir la troisième méthode. On peut saisir la CPI en passant par le procureur qui estime que l'ouverture d'une enquête est impérative. Le procureur, le Pakistanais qui est là actuellement, là, lui-même il s'assoit, il regarde, il dit ça, on va ouvrir enquête. Et puis maintenant il va ouvrir enquête et puis maintenant il va saisir les autorités du pays. Et puis maintenant, ils vont commencer l'enquête. Donc, les autorités, quand le procureur va venir au travail, va dire, bon, j'ai besoin de vous, venez. Tout ce que tu es en train de faire avec Didier, de la même manière que tu as escroqué Maïliba jusqu'à sucer sa moelle épinière pour la conduire dans ton tombe, et puis on a fait quête ici pour rapatrier son corps en Côte d'Ivoire. Là. Tous ceux qui t'ont accompagné, là, tu veux les escroquer pour prendre leur argent. Ça, c'est entre vous là-bas. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas pour toi, tant mieux. Et donc, la CPI n'a jamais pris des plaintes d'individus particuliers. C'est carrément impossible. Et je mets quiconque au défi de venir me dire que ce que vous avez entrepris, ça va marcher. Ça ne marchera jamais. Pour que ça marche, là, si je veux simplifier la chose, vous devez d'abord faire un coup d'État, enlever Ouattara au pouvoir, l'attraper vivant, nous-mêmes, là, nous neutraliser. Et quand je vous dis, nous, là, il faut nous anéantir. Parce que ce que le président ne dit pas, là, que le président le veuille ou pas, là, à des citoyens simples, libres et dignes comme nous autres, si on dit un coup de lance-pied, là, nous, on va sortir pour être sur le terrain. Moi, je ne connais pas pour quelqu'un. Mais s'il y a un coup de lance-pied, là, moi, je vais être sur le terrain, puis je vais sortir aussi. Ce qui va se passer, là, on va faire ça. Et on est des milliers comme ça. Et hier, quand le président Ouattara a parlé, là, j'ai appelé les gars, ils m'ont dit vraiment, c'est comme le vieux nous a compris. J'ai dit, les gars, restez en position. Le jour que vous allez décider de faire quelque chose là, c'est que c'est des milliers de personnes que vous allez faire accompagner par le corps de Ouattara. Vous-même là, vous allez avoir peur du nombre de mois que vous allez faire. Mais si ça c'est le meilleur cas pour vous, si ça se retourne contre vous, vous n'allez même pas être vivant pour parler à faire des génocides. Ton commerce que tu veux faire là, avec les Ouais, là, continue à faire, mais ça ne prospérera pas. On sait que c'est un rôle que vous devez jouer, mais vous n'avez même pas l'intelligence de jouer ce rôle-là en prenant le temps de dire, est-ce que ce qu'on fait là, si les gens intelligents prennent là, est-ce que ça va marcher? Mais vous vous êtes lancé dedans, non? Il n'y a pas de plan, on vous regarde dedans. Mais on va vous dégommer aussi de cette même façon-là. Bonjour éclaireur, oui. Bonjour à tous. Je dis bonsoir et bonjour en même temps à chacune des panélistes qui sont là. Je vais particulièrement aussi saluer le B52 pour sa énième démonstration efficace de tout à l'heure. Vraiment, 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 merci, merci et bonsoir encore B52. J'ai dit bonsoir à Fiona, vous-même, le roi Berthé, Yann, Tefeut, à chacun de vous, Mère Blanc, sans oublier, enfin, la mère Nefertiti. Éclaireur, je dis merci au père, merci au président Ouattara d'avoir joué, pour moi en tout cas, d'avoir joué l'avertissement dans son discours d'hier lors de l'événement qui s'est passé. Cher père, merci. On a attendu ça, ça fait depuis longtemps et aujourd'hui ça tombe et ça tombe pour moi. Merci père. Éclaireur, j'appelle. Enfin, j'essaie d'intervenir ce soir juste pour vraiment faire un
particulier coucou à Mère Nina Kouadio. Et comme Nina Kouadio, on en veut beaucoup, il en faut beaucoup qui doivent apparaître, pardon, qui doivent apparaître, qu'on doit voir apparaître en Côte d'Ivoire. Merci Mère Nina Kouadio pour ta démonstration. Merci d'avoir sorti, d'avoir donné ta voix encore pour cette bonne cause-là, pour ta nation. Merci Mère Nina Kouadio. Tu es vraiment à saluer. Il y en a qui croient qu'il suffit de dire, de tout le temps crier, aboyer, puis obtenir ce qu'il veut. Je veux parler de Hervé qui dit, je suppose, ou un truc comme ça, et les quelques-uns qui disent, voilà, qui sont mis avec lui. Voici des gens sans valeur à qui on devrait accorder tout ce qu'ils demandent. Éclaireur, qui est-ce qui, parce que quand on prend les propos de ces gens, de ceux-là qui ont fait petite manif, on voit effectivement que c'est des gens qui, comme on le disait tout à l'heure, ils sont, enfin, sauf si je, enfin, pas de moi de me répéter, voici des gens qui ne parlent pas de leurs actions, mais se rendent victimes de la réaction de leur de la réaction qu'on émet de leurs actions. Et c'est encore ce qu'on a vu avec ce qu'ils ont fait. Éclaireur, qui est-ce qui a tué, ou alors devrais-je plutôt dire, qui est-ce qui a fait tuer Guy François? Guy Robert, pardon, excusez-moi. Guy Robert. Laurent Gbagbo. Ah. Guy Robert n'est-il pas de la région des Oué? Il est on va dire de la du Grand Ouest, oui. Mm-hmm. Voilà. Moi, lui, son tribu, on appelle, je vais éclairer pour Mère Guy. Il y a les Oué et puis il y a les Dents. Mm-hmm. Les Dents, là, ce sont les Yacouba. Donc, Robert Guy fait partie des Dents. Voilà. D'accord. Toujours est-il que ça se rapproche quand même, c'est la même région du Grand Ouest. Et ils font tout, mais pas un seul d'eux part de ce qui est arrivé à Guy Robert par Laurent Gbagbo. Imaginons tous ensemble, ne serait-ce qu'un tout petit instant, que le président Ouattara a été de loin mêlé à cette affaire. Mais éclaireur, jamais on n'en aurait fini. Où est-ce que je me trompe? Effectivement. Jamais on n'en aurait fini. Mais ils font tout sans mentionner la mort, comment dire ça, macabre de Guy Robert, qui est un des leurs, enfin qui est de leur région. Et le pauvre président, enfin je ne vais même pas dire le pauvre. Le cher président qui n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé, ils viennent, ils se mettent encore à reprendre les mêmes effets pour l'accuser de tout ce qu'ils ont, de leurs actions, de leurs actes, pardon. Non, ça doit cesser. Et cette fois-ci, ça va cesser. Les avertissements qu'on vous donne depuis pour dire que qu'il faut arrêter, parce que si vous n'arrêtez pas, voici ce qui va se passer. Voici ce qu'on va vous faire. Enfin, voici la réaction que vous aurez à une chose en face. Vous allez la voir. Ne criez pas, hein, parce que si vos parents sont là, vos chefs coutumiers sont là, et toutes vos autorités coutumières, traditionnelles sont là. Et jusque-là, on fait tout ce qu'on peut pour que chacun de son côté, comme Nina Kouadio a intervenu aujourd'hui, que chacun de son côté fasse sa petite part pour vous recadrer. Mais jusque-là, je ne pense pas qu'on ait entendu quelqu'un ou bien qu'on ait vu quelqu'un sortir pour... Enfin, pour faire sa part d'avertissement de ses comportements. Alors, ne soyez pas surpris,
et ne soyez pas dégoûté de ce qui va vous arriver quand ne serait-ce que vous allez lancer ne serait-ce qu'une pierre. Et cette pierre-là, elle va vous retomber là-dessus de très, 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 très fort. Très fort. Et on attend de voir ça tous. On est même impatient. On en est impatient. En fait, éclaireur, je ne voulais pas dire, ce n'est pas grande chose que je voulais dire ce soir. Mon intervention était plutôt basée sur le remerciement que je voulais faire à Nina Kouadio. Okay. Et c'est là où j'en profite quand même pour aussi dire quelques deux petits mots sur les. Sur la manifestation de Senghor et Hervé Didier sur, enfin, Senghor et dire aussi en même temps que leur Laurent Gbagbo qu'il défend tant ou alors à qui il donne autant de considération, je ne sais pas trop quoi dire de ce monsieur. Laurent Gbagbo, même si on lui donnait tout, s'il avait tout, il ne pourrait pas faire quelque chose au président Ouattara. À forte raison, vous, qui n'êtes rien, Laurent Gbagbo, déjà, il n'est rien. Il n'a aucune valeur, aucune considération, aucun poids, aucune poigne pour faire quoi que ce soit au président Ouattara, pour ne pas dire à plus forte raison, vous autres là, qui encore, je ne sais à quoi vous comparez. On disait tout à l'heure... que vous étiez des mouchures caca, pardonnez de le dire, s'il y en a qui sont en train de manger en ce moment, désolé. Mais bon, voilà. Il est temps quand même que vous arrêtiez, sinon les conséquences pour vous ne seront pas bien. Et ça, tout le monde est témoin, et ça fait plus d'un an, plus deux ans, trois ans même, voire, qu'on est en train de vous mettre en garde de ce qui pourrait vous arriver si vous persévérez, si vous continuez dans ça. Et c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est ce qui pourrait vous arriver. On est tous en Côte d'Ivoire, on est tous Ivoiriens et je crois que chacun va connaître ses limites, chacun connaîtra sa place. Et ensuite, voilà, peut-être que de par là, on retrouvera une Côte d'Ivoire, on va dire, assez normale. Et c'est ça qu'on attend pour que, voilà. Enfin, on attend votre coup d'envoi pour que tout ça soit rétabli. Éclaireur, merci, je vais vous laisser. Okay. J'ai déjà un peu endormi, mais bon, voilà, je vais vous laisser. Et puis, bonne suite d'émission à tout le monde. Merci beaucoup. Mes chers mères, j'allais vous laisser partir, mais en vous disant ceci. Vous voyez ces avortons frustrés et fanés sans raffinement moral qui se permettent à jouer au fanfaron, j'allais vous dire ceci. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui parle le langage, qui peut faire un effet, là, c'est le président Ouattara. Il n'est pas un président par procuration. Et c'est quelqu'un qui connaît le monde et que le monde connaît. Mais je tiens à prendre le monde entier ici à témoin. Si Hervé Didier, sa bande continue, ce dans quoi ils sont actuellement là, je vais m'engager personnellement. Vous allez revoir Laurent Gbagbo une deuxième fois à la CPI. Oui. Et dites que c'est faux. Les crimes qu'il a commis là, tous les pays qui sont amis avec la Côte d'Ivoire actuellement là, on va rentrer dans toutes les ambassades, reposer des nouvelles plaintes contre lui et puis le balancer à la CPI à nouveau. Sachez qu'il a été jugé pour un nombre très limité d'événements. Et donc, au nom du droit de la compétence universelle, n'importe quel pays peut lancer des mandats internationaux contre Laurent Gbagbo aujourd'hui. On peut rentrer dans ces archives-là pour requalifier certains nouveaux faits et puis déposer devant la CPI. Et donc là, si vous, votre projet n'a pas les moyens de marcher là, moi je vous dis que nous, on peut, avec les moyens de l'État qu'on a aujourd'hui là, reprendre des nouveaux faits pour balancer votre Laurent Gbagbo à la CPI à nouveau. Ça, c'est un. Et puis de deux, on va aussi lever actuellement là, la CPI, même en parlant avec le président Ouattara. Mais on va vous faire encore plus mal en expédiant Simon Hervé Gbagbo aussi à la CPI. Et là, on va voir ce que vous allez pouvoir faire. Et là, on va faire, comme on le dit, Ekambo. On va faire, d'un coup, on va atteindre l'objectif final. Continuez dans ce que vous êtes. Énervez-nous. Je vous dis que 2024, là,
vous allez retrouver Laurent Gbagbo encore devant la CPI et vous ne serez pas surpris. Si vous pensez que vous vous amusez, on va vous pédaler comme il se doit pour vous ramener à la raison. Ça, il faudrait qu'on leur dise ça déjà. Ce n'est pas eux qui peuvent inquiéter quelqu'un. Ceux qui peuvent inquiéter quelqu'un là, c'est ceux qui ont l'effectivité du pouvoir. Et c'est nous qui avons le pouvoir. Et c'est nous, on peut inquiéter. Et donc, il faudrait qu'ils se mettent ça très bien en tête. Maintenant, s'ils ont vraiment besoin de preuves de charnier, je crois que le 6 est devenu 9. Ils peuvent se mettre à l'œuvre et ils vont mériter ce qu'ils doivent mériter. Mais toujours est-il que, avec leur bouche, ils ne peuvent pas impressionner quelqu'un et ce n'est pas eux qui peuvent être des valeurs de moralité dans notre société. C'est ce que je tenais à vous dire et vous laisser passer une excellente nuit. Vraiment, merci beaucoup, cher maire, et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup à vous, Éclaireur. Éclaireur, vous ne me croirez pas, mais effectivement, je me suis dit à un moment donné dans leur truc, j'ai dit, mais c'est un peu comme si ils voulaient qu'on reprenne un vrai procès de Laurent Gbagbo, et ça pourrait tellement leur retomber là-dessus. J'ai sollicité ça, en tout cas, à un moment donné, de leur dire. Mais voilà, vous venez de dire, c'est un peu aussi de la façon dont je l'avais aussi ressenti. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous et puis à demain encore. Merci beaucoup pour une autre émission. Merci infiniment. Et on va vous laisser vous reposer en vous souhaitant une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonne nuit. Merci beaucoup, chère mère.